Bonjour. Alors là, vous passez entre les deux zones, d'accord, en diagonale. Ça fait un 8. Ça. Je vais chercher les pneus et je reviens, c'est ça? Ouais, vous faites deux tours autour du cône jaune, là-bas. Le deuxième? Deux tours, vous faites une diagonale et deux tours autour du deuxième cône jaune et vous ressortez. Ça va être chaud. Ok, c'est un 8, mais vous doublez les boucles, d'accord? Ok. Ne mettez pas les mains sur les commandes, sur les poignets, et toujours un petit filet de gaz. Et les genoux bien serrés. J'y vais sur... Ouais. Je touche pas à l'embrayage? Non, toujours un petit filet de gaz. Vous coupez pas d'un coup, ok? Ok, on va essayer. Allez-y. Ouais? Faut longer, j'avais pas compris. Là-bas, tu vas chercher, vas-y, retourne au départ. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Enfin, j'ai compris, mais. J'avais pas compris qu'il fallait que je longe jusqu'au deuxième, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, entre les deux cônes jaunes. Ouais, ouais. C'est un 8 en fait, et vous doublez les boucles. En fait, allez, je prends à gauche du premier et je vais au bout. Ouais. Alors que moi j'ai pris à droite et. Ok, ça marche. Mais il est bizarre le guidon, je sais pas si. Je suis pas à l'aise. Ok, du coup, bah ouais, vous serez bien et amenez un petit filet de gaz. C'est bon? On va essayer. Ah, c'est chaud les gars. Je parle pas mais c'est chaud. Tourne la tête, et ça va suivre. J'ai du mal avec la bécane, c'est. Mais là, ce que j'ai expliqué juste avant, il faut vraiment prendre l'extérieur, ouais, au plus proche du plot. Et une fois arrivé sur le plot orange, là, celui qui brille le plus, voire un petit peu avant, vraiment faire un report de regard, déverrouiller l'avant, le haut, faire un report de regard, regarder et la moto va suivre. C'est qu'en fait, garder la petite tension de câble. Elle braque vachement, j'ai pas l'habitude. Je suis en street et ouais. En street là, je suis à fond, donc là j'ai l'impression que je vais me vautrer en fait. Non, il y a de la marge. Vraiment, il y a de la marge. Attendez un peu avant. Bah, je vais repartir. Ça a été? Ouais, un peu compliqué. Ce que je disais tout à l'heure au grand, c'est que j'ai du mal avec le rayon de braquage de la moto. J'ai du mal avec le rayon de braquage de la bécane en fait. La mienne braque beaucoup moins, donc quand je suis en butée, j'ai l'impression que je vais me vautrer. Ça passe. Allez. Ça repartit. Quels sont les comportements que vous avez au quotidien pour prendre un risque? Est-ce qu'il y a un peu d'attention? D'habitude, en fait, au quotidien, on a l'habitude de.
J'ai chaud. Ça va ? Ça devrait le faire ce coup-ci. Là, c'est à droite du col. À droite ou à gauche ? Le premier, là. Là-bas, mais c'est comme vous avez fait tout à l'heure. Ouais, voilà. À droite, vous faites deux tours dans ce sens-là, là, deux tours dans ce sens-là. Et puis. Il faut bien tourner la tête. Ouais. Ah, puis je suis vraiment pas habitué à la bécane. C'est... Non, puis c'est nerveux. Hein. Ouais, puis je sais pas, là, le guidon qui tombe, l'angle de braquage qui est grand, un street air. Hein ? Un Triumph Street Triple R. D'accord. Ou sur le street, là je suis embuté en fait déjà. Ah oui, ok. Ce que j'expliquais, donc moi après tout ça sur celle-là, j'ai l'impression que je vais tomber quoi. C'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de gaz. Ouais. Allez-y. Putain de guidon.